Eh bien, je suis désolé de vous parler à travers un écran, une caméra, un dispositif. Malheureusement, je ne peux pas être présent avec vous. Le propos que je vous soumets est celui qui concerne la problématique du sujet aujourd'hui, du sujet en psychiatrie, de la singularité. La clinique, c'est l'expérience de la singularité. Et au fond, avec étonnement, de façon inédite, la question du sujet vient comme une question centrale et d'actualité aujourd'hui dans le champ des neurosciences, autour du fait de la plasticité neuronale. Donc mon propos porte sur l'émergence de la singularité entre neurosciences et psychanalyse, comme une question inattendue pour la psychiatrie aujourd'hui. Une psychiatrie qui aurait tendance à oublier le sujet, la singularité, qui est pourtant le cœur de sa pratique, de son action, tant dans la clinique psychiatrique classique que dans le travail institutionnel. Alors, avant d'aborder cette problématique contemporaine du sujet entre neurosciences et psychanalyse, comme question pour la psychiatrie, je prendrai le rapport neurosciences-psychanalyse. Comment le penser? Aujourd'hui, on a tendance, quand on rapproche neurosciences et psychanalyse, d'avoir un point de vue réductionniste, à savoir que on va chercher les bases biologique des phénomènes psychiques, des bases biologiques des pulsions, des bases biologiques de l'inconscient, et on va tisser un rapport biunivoque entre des fonctions et des structures, en traduisant des structures en des fonctions ou vice-versa. Je pense que ce chemin n'est pas le bon. Une autre voie est souvent de vouloir prouver la psychanalyse avec les neurosciences. Ce n'est pas du tout l'orientation que je prends aujourd'hui devant vous et qu'on a prise avec Pierre Magistretti autour de nos travaux communs entre neurosciences et psychanalyse, entre moi-même comme psychanalyste et Pierre Magistretti comme neurobiologiste. Notre point de vue, c'est plutôt de dire, il existe des propriétés neuronales, des propriétés membranaires, des propriétés synaptiques, des propriétés biologiques. Il existe des propriétés. Ces propriétés se manifestent à travers des états. Or, les états n'ont pas de commune mesure avec les propriétés. L'inconscient n'a pas de commune mesure avec les données biologiques qui permettent l'émergence de l'inconscient. De même, la pulsion n'a pas de commune mesure avec les bases biologiques qui permettent l'émergence de la pulsion. Et aussi, le sujet n'a pas de commune mesure avec ses bases biologiques. Donc on a des propriétés en potentialité qui s'actualisent et qui se manifestent comme des propriétés actuelles, qui sont des états, qui eux-mêmes potentialisent les propriétés de base. Et ça, c'est un point, au fond, quand on arrivera à penser le rapport entre les propriétés et les états dans le champ des neurosciences, de la neurobiologie contemporaine, je crois qu'on aura fait un saut épistémologique majeur. Un saut pour aborder effectivement la question du sujet dans la science, du sujet dans la biologie, du sujet dans le champ aujourd'hui des sciences. Souvenons-nous que Lacan, dans La science et la vérité, en 66, a pensé le sujet de la science et le sujet de la psychanalyse comme équivalents. Et il a aussi posé, dans les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, en 64, la question: que serait une science qui inclurait la psychanalyse? C'est ça qui est important, et dans la perspective qu'on a avec Pierre Magistretti, c'est plutôt d'inclure au programme des neurosciences des questions qui viennent de la psychanalyse, dont en particulier l'inconscient, la pulsion, la répétition, le transfert. Bon, également peut-être des questions contemporaines issues de la psychiatrie et des nouveaux défis de la psychiatrie, par exemple la question de la prévalence aujourd'hui des agirs, de la clinique de l'acte sur la clinique du symptôme.
On pourrait dire, au fond, quel est le rapport entre neurosciences et psychanalyse? Dans l'histoire, on a une hétérogénéité absolue qui a été longtemps prédominante, avec un mouvement de balancier entre le tout psychique et le tout cérébral. Vraiment tout au long du 19e, du 20e siècle, ça n'a pas arrêté d'alterner d'une position à l'autre. Et au fond, peut-être on imaginait une interaction d'une problématique biologique sur une problématique psychique ou d'une problématique psychique sur une biologique, mais enfin c'était tout à fait séparé. Qu'on pourrait dire, si on trouvait un gène ou un circuit neuronal impliqué dans un trouble mental, ce trouble passait du champ de la psychiatrie vers le champ de la neurologie, voire de la génétique. Aujourd'hui, on peut se dire qu'on a passé à l'inverse, à un paradigme de superposition. Superposition presque sans reste entre le psychique et le neurobiologique. Comme si les lois de l'un pouvaient expliquer le fonctionnement de l'autre et vice-versa. C'est vraiment, on trouve un circuit à la base de l'impulsivité, on imagine que le trouble de l'impulsivité est explicable par le trouble de ce circuit. Vraiment, on a passé d'une extrême à l'autre, de l'hétérogénéité absolue à la superposition absolue. Il y a aussi une position qui a été longtemps présente de la complexité, réunion de deux ordres hétérogènes, au fond avec un parallélisme des modèles qui essayent de réunir peut-être des choses qui ne peuvent pas être réunies. Nous avons pris comme position avec Pierre Magistretti d'aborder plutôt la problématique de l'intersection. C'est-à-dire qu'entre les phénomènes psychiques et les phénomènes biologiques, il existe un plus petit dénominateur commun, une intersection qui est la question de la trace synaptique, de la trace psychique, de la trace mnésique, de la trace laissée par l'expérience. C'est là que nous nous sommes réunis avec Pierre Magistretti dans les années 2000 pour travailler ensemble, en fait, on pourrait dire, à partir du prix Nobel donné à Kandel en 2000 pour ses travaux sur la mémoire et en particulier sur la plasticité. La plasticité, c'est le fait que l'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal. Alors, l'idée de la plasticité était une hypothèse chez Freud dans l'esquisse. Pour lui, il y avait l'idée du frayage, une idée de transformation. Il s'interrogeait sur une modification du réseau neuronal, mais sous forme d'une hypothèse. Chez le grand anatomiste Ramón y Cajal, qui a eu aussi un prix Nobel au début du XXe siècle, lui avait aussi l'idée que le réseau neuronal, les neurones, ce qu'il appelait les merveilleux papillons de l'âme, étaient capables de modification. Et c'est bon, c'est des questions qui étaient juste au moment de l'émergence de problématiques biologiques. Entre l'esquisse et la démonstration anatomique, enfin histologique du neurone par Sherrington et de la synapse et des barrières de contact des synapses, c'est quasi simultané, l'année 1895. Et au fond, on peut dire que Freud était comme un psychanalyste qui aujourd'hui lirait toutes les semaines Science et Nature et tirerait les conséquences de ces lectures pour faire avancer non pas la biologie, une théorie du cerveau, mais pour faire avancer la psychanalyse comme il le fait de manière démonstrative dans l'esquisse. D'ailleurs, nous sommes rencontrés avec Pierre Magistretti dans une lecture commune, dans un séminaire de lecture commune de l'esquisse, et pour lui, c'était vraiment Freud, neuroscientifique, très avancé pour son époque, qui l'ont fasciné. Donc, pour Freud, c'était une hypothèse, la plasticité. Pour Ramón y Cajal, c'était une hypothèse. Sur Hebb, dans les années 30, c'était aussi une hypothèse. Il disait les neurones qui déchargent synchroniquement se lient.
neurons which fire together, wire together, avec vraiment l'idée d'une modification de du réseau neuronal. Mais c'est seulement depuis les années 1990-2000 qu'une série de très nombreux chercheurs ont convergé vers le passage de l'hypothèse au fait. Au fait qui est effectivement transformation de l'idée de l'inscription, de la représentation, de la trace mnésique, et qui ont été consacrés par le prix Nobel donné à l'un d'entre eux, c'est-à-dire à Kandel. Donc la plasticité, c'est un fait, variation du nombre et de l'architecture des synapses suite à l'expérience, une expérience affective qui est tout autant l'expérience vécue avec son environnement, mais aussi l'acte du sujet lui-même qui est perçu par le sujet, les variations de l'efficacité synaptique, des réarrangements structurels, donc un changement, effectivement, qui met en rapport la trace synaptique avec la trace psychique, posant d'ailleurs aussi la question du statut de signe, du statut langagier, du statut de signifiant, du statut de lettre, du statut d'indice de cette trace, c'est-à-dire quel est le rapport entre la trace et l'autre, entre la trace et le langage. Peut-être que vous vous souvenez du fameux schéma du 6 décembre 1896 de Freud, n'est-ce pas, après une longue journée de travail, il pose perception, W, Wahrnehmung, et ensuite signe de la perception, Wahrnehmungszeichen, qui est la première trace, la première inscription pour quelqu'un comme moi qui travaille dans le monde de la périnatalité. C'est complètement de la néonatologie, enfin c'est vraiment une question, quelle est l'incidence de l'autre sur le vivant, et comment émerge de ce vivant et de cette première inscription ensuite un sujet et des représentations. Et vous vous souvenez que dans cette fameuse lettre, il fait un petit schéma V double, Wahrnehmungszeichen, signe de la perception, ensuite inconscient, unbewusst, ensuite vorbewusst, et ensuite bewusstsein, le conscient, avec des petites croix, et l'idée d'une réinscription. Donc ça veut dire que Freud, dans ce schéma révolutionnaire, vraiment une coupure épistémologique au sens de Kuhn, dans les années de fin 1896, disjoint perception, mémoire, conscience, et puis pourquoi pas langage. C'est là qu'on peut donner effectivement le statut d'état, disjoint des propriétés, destin des propriétés aux différents registres de l'inscription. D'ailleurs, un collègue, Éric Laurent, parle de fonctions disjointes pour parler des fonctions psychiques par rapport à aux données neurobiologiques. Donc, on est vraiment, si vous voulez, dans un changement de paradigme. Vraiment un changement de paradigme. Certains paradigmes s'épuisent, et le tout génétique, le tout neuronal. Là, on a vraiment quelque chose de tout à fait surprenant. C'est-à-dire, on pourrait dire, pendant un temps, on opposait causalité psychique et causalité organique, comme deux registres opposés. C'est encore présent. Si on prend la question de l'autisme, c'est toujours présent aujourd'hui. Mais en même temps, on n'a pas tiré toutes les conséquences de la plasticité, parce que par la plasticité, on a une causalité psychique qui vient modifier l'organisation de l'organisme, l'organisation du réseau neuronal. Donc on a une manière complètement différente de poser le problème, non plus en termes d'opposition, mais en termes de convergence entre la causalité psychique et la causalité organique. C'est ainsi qu'on peut dire que neurosciences et psychanalyse convergent, se rencontrent de façon inédite sur l'irréductible question de la singularité. Je vais développer ça. C'est-à-dire la singularité sous différents aspects. Il faudrait être plus précis sur cette histoire et je vais préciser. Si vous voulez, quand on vit une période de changement de paradigme, une révolution scientifique au sens de Kuhn, on entre dans une science extraordinaire et plus la science ordinaire. Et on doit réinventer un nouveau paradigme. Je crois que c'est l'époque où on est. L'enjeu aujourd'hui, c'est une rencontre en psychanalyse et neurosciences pour créer un nouveau paradigme. Et là, on a effectivement
différents, une évolution de cette science extraordinaire qui passe par des paradoxes. Et je vais vous énumérer trois paradoxes qui sont aujourd'hui en jeu dans la rencontre neurosciences et psychanalyse autour de la plasticité. Premier paradoxe, on peut dire le paradoxe de l'unicité. On a des mécanismes universaux, semblables pour tous, biologiques, qui aboutissent à produire de l'unique et du différent. Et de faire donc de chacun quelqu'un d'unique, différent et irremplaçable, marqué par les expériences qu'il a vécues, marqué par la contingence. La contingence devient finalement la grande loi du devenir plutôt que la nécessité développementale. En tout cas, on a le développement qui est programmé par des gènes et des circuits neuronaux, pourquoi pas, et on a un devenir qui est différent du développement. Il faut constituer l'articulation entre le développement, les déterminismes universaux du développement, et le devenir qui est singulier. Et c'est le premier paradoxe, celui de l'unicité. Deuxième paradoxe, c'est que est dû au fait que les traces se réassocient les unes les autres. Une fois qu'une trace est inscrite, elle devient en elle-même un stimulus pour le dispositif. Et donc la trace peut s'associer avec d'autres traces pour former une nouvelle trace. C'est ça, une expérience quand elle s'inscrit. Elle est inscrite dans différents registres, par des voies extéroceptives, des perceptions, par des voies interoceptives, des proprioceptions, des états du corps, des états somatiques, par la remémoration qu'elle implique. Donc une complexité extrême qui, en fait, est produite par de multiples réassociations de traces pour former de nouvelles traces. Et au fond, l'inscription de l'expérience implique des traces qui se réassocient pour former de nouvelles traces, c'est-à-dire introduisant une discontinuité. Ça, c'est un point très important autour de la plasticité. La plasticité est un phénomène de continuité, un fait de continuité. L'expérience laisse une trace, l'expérience s'inscrit, mais qui est lié à un fait de discontinuité, les traces se réassocient les unes les autres pour former de nouvelles traces qui, elles, sont en discontinuité par rapport aux premières traces et par rapport aux expériences. Et il y a un mécanisme biologique tout à fait étonnant qu'on appelle la reconsolidation, et qui est un terme un peu équivoque puisque c'est plutôt la déconsolidation. Je l'explique rapidement, c'est-à-dire que une trace, une fois inscrite, est là. Si on réévoque le souvenir, la trace devient labile et susceptible de nouvelles associations. Donc il y a une fenêtre temporelle où la trace devient labile. Elle peut se réassocier avec d'autres traces, introduisant une discontinuité à travers la réassociation de traces. Ça veut dire que la pratique psychanalytique, avec l'évocation, la remémoration, la parole, rend les traces mobiles, pouvant se réassocier avec d'autres, et donc transformer les représentations et modifier les inscriptions. C'est pas que les traces soient réversibles, c'est que les traces trouvent à se réassocier avec d'autres traces et donc porter d'autres représentations. C'est propre, on pourrait dire que vraiment la pratique analytique, pratique de la parole, est une pratique de la réassociation des traces. Une pratique qui introduit une discontinuité, une pratique de la discontinuité. De même, le travail institutionnel, à travers toutes les expériences affectives qui se jouent entre les soignants, les passions qui ont lieu dans l'institution, font que vous êtes tous, nous sommes tous des praticiens de la discontinuité. Bon, cette discontinuité, au fond, on peut dire l'inconscient procède de la discontinuité.
Il y a deux modes de fonctionnement du cerveau. C'est des mêmes aujourd'hui définis dans les neurosciences. Un type chercheur comme Reichel parle de deux modes de fonctionnement du cerveau. Un mode linéaire, binaire, séquentiel, sensoriel, cognitif, conscient, qui est le mode des neurosciences cognitives, y compris de l'inconscient cognitif, qui n'est pas un inconscient au sens freudien, mais qui est du non-conscient. Et puis un autre mode à côté de ce mode linéaire, qui est un mode non linéaire, adimensionnel, discontinu, propre au fonctionnement de l'inconscient. Souvenons-nous que l'inconscient est marqué par le processus primaire, atemporel, adimensionnel, il ignore la contradiction, il ignore le temps. Et au fond, il s'agit aujourd'hui de mettre ces processus synchroniques, adimensionnels, discontinus au programme des neurosciences. Pourquoi pas aller jusqu'à faire une, ce qu'on pourrait appeler une biologie de la discontinuité. Et au fond, l'inconscient, avec son atemporalité, introduit cette discontinuité. Avec Lacan, on pourrait dire qu'il y a deux inconscients. Un inconscient automatone, comme il le définit dans le séminaire 11 des quatre concepts fondamentaux. Inconscient automatone, c'est l'inconscient déjà là, l'inconscient mémoire, l'inconscient déterminé par le passé, qui cherche à se manifester. Et puis, il a défini un inconscient tuqué, qui est du non réalisé, ouvert sur l'avenir, facteur de changement. Donc, troisième paradoxe, si on se dit que l'expérience est une trace et que tout peut se modifier, on est donc dans le paradoxe d'un changement permanent. La question spécifique du psychanalyste, du psychiatre, c'est comment changer ce qui ne cesse de se répéter. La question du neurobiologiste, elle est l'envers de la question du psychanalyste. C'est-à-dire, si on dit qu'il y a une plasticité, que tout change, que tout se modifie, comment se fait-il qu'on reste le même? D'où vient l'identité diachronique, l'identité à travers le temps, avec un vivant qui se transforme autant en fonction de l'expérience et à travers un changement permanent? Donc, si on imagine un cerveau dans un état particulier, qui a un stimulus, qui a une expérience qu'il touche, et au fond, il va se modifier. Si on a même, une deuxième fois, le même stimulus, pour autant que ça soit possible, c'est pas possible, mais enfin, imaginons ça sur le plan théorique, eh bien, il trouvera le cerveau dans un état différent. Et donc, que l'état aura modifié les propriétés, etc., etc. Donc, comme au jeu d'échecs, tout dépend des coups qui se sont joués précédemment, et au fond, on est face au fait qu'on n'utilise jamais deux fois le même cerveau. On se plonge toujours dans un individu différent. Chaque matin, quand on se réveille, les rêves, la nuit qu'on a passée, les événements, les idées qu'on a eues, fait que on se plonge chaque matin dans quelqu'un de différent. Comment se fait-il qu'on reste le même en changement, en changeant en permanence? En tout cas, on doit réaliser qu'on n'utilise jamais deux fois le même cerveau. C'est toute la problématique de la plasticité. La plasticité, elle est très centrale aujourd'hui en neurosciences. C'est une question majeure, ce changement permanent. En même temps, c'était déjà un concept chez les philosophes, chez Hegel, mais même déjà chez Platon. Je vous lis une citation du Banquet de Platon. En effet, quand on dit de chaque être vivant qu'il vit et qu'il reste le même, par exemple, on dit qu'il reste le même de l'enfance à la vieillesse, cet être, en vérité, n'a jamais en lui les mêmes choses. Il ne cesse pourtant de changer, je saute, par ses cheveux, par sa chair, par ses os, par son sang, c'est-à-dire par tout son corps. Cela est vrai non seulement de son corps, ce changement permanent, mais aussi de son âme. Disposition, caractère, opinion, désir, plaisir, chagrin, crainte, aucune de ces choses n'est jamais identique en chacun de nous. Et au fond, on peut dire en chaque temps. Conclusion, à travers l'unicité, la discontinuité et le changement permanent, ce que nous enseignent les neurosciences aujourd'hui, ce serait qu'on est biologiquement déterminé pour ne pas être complètement biologiquement déterminé.
on est déterminé pour ne pas l'être. On est déterminé pour recevoir l'incidence de la contingence, pour être soumis au stochastique. On est déterminé aussi pour qu'il y ait un espace pour l'acte du sujet. On n'est pas dans un modèle action-réaction. Et ce message qui vient des neurosciences est une magnifique critique du déterminisme, tel qu'on le pratique trop souvent en psychiatrie. En psychiatrie, d'enfants, d'adolescents, qui est ma spécialité, on est toujours à risque d'être les spécialistes de la prédiction du passé, de faire des liens biunivoques entre une situation actuelle et une situation passée. Donc il faut voir les choses différemment, en tout cas construire une dialectique entre continuité et discontinuité. Continuité, tout se conserve, on peut prédire. Discontinuité, tout se modifie, on reste imprédictible et il faut dans la clinique ouvrir à une éthique de l'imprédictibilité, de l'imprévisibilité, s'ouvrir à l'acte du sujet, au fond à l'imprévisibilité du devenir, à l'ouverture du devenir. Donc on a une vision du déterminisme propre à la causalité naturelle du 19e en termes de continuité d'une logique de la cause de déterminante. La plasticité avec ses paradoxes ouvre un trou dans ce déterminisme qui ouvre un devenir imprédictible, donc à une logique de la réponse plutôt qu'à une logique de la cause déterminante, de la détermination. Nous, comme cliniciens, nous orientons à partir de la réponse du sujet, de ce que le sujet présente, de ce que le sujet invente, de ce que le sujet choisit, de ce qu'il décide. On pourrait dire qu'il y a la détermination génétique, la détermination épigénétique, j'en ai pas parlé, mais c'est tous les facteurs de modification du génome par l'influence de l'environnement. La détermination neurobiologique, l'histoire, ok, tout ça c'est des lignes de détermination. Mais ce qui nous intéresse dans la clinique, perpendiculaire à ces lignes, c'est la réponse du sujet. La réponse qui est aussi sa responsabilité. À chacun sa responsabilité, à chacun sa réponse, à chacun sa solution. Dans un hôpital psychiatrique, on travaille à laisser l'espace aux solutions du sujet autre que la maladie mentale pour résoudre son impasse. On pourrait dire à chacun son bricolage, à chacun son invention, à chacun la liberté de se faire auteur et acteur de son propre devenir au-delà de ce qui le détermine. Tel est le message paradoxal qui, pour moi, vient de la rencontre entre neurosciences et psychanalyse par rapport aux avancées contemporaines des neurosciences. Je vous remercie pour votre attention.